Soft music, beautiful paintings, and vibrant colors welcome visitors to Elsa's Art Gallery in the heart of the Frischmann neighborhood in Tel Aviv. Using her self-taught artistic skills, Elsa interprets the world that surrounds her with a mix of sensuality and intimacy, freely expressing her emotions while at the same time maintaining a fragile sense of balance. Elsa's techniques, which are unique only to her, approach art from a new perspective. This perspective has proved itself in hundreds of exhibitions in places like Paris, New York, and Beijing. Je suis là pour vous éveiller. Je vous amène dans le jardin et après je vous laisse butiner. Mais c'est important pour moi de vous y amener, de réussir à attirer votre attention pour que justement vous ayez envie de vous intéresser à l'art, en tous les cas au mien en plus. Je fais les choses. Voilà, je suis quelqu'un qui fait et je trouve ça ridicule d'utiliser toute mon énergie à raconter ce que je vais faire. Je préfère utiliser toute mon énergie pour faire. Donc c'est vrai, j'ai tendance à faire ce que j'ai l'intention de faire. Et j'attends rien de personne et je fais tout toute seule. C'est vrai que je suis quelqu'un de libre, comme me disent ceux qui écrivent sur moi, farouchement libre. Je vais faire parfois des œuvres avec des formes complètement difformes, mais vous y trouverez toujours la sensualité. Et l'important, c'est de créer. Donc j'arrive avec mon propre style, qui même en France, je suis seule à faire ce travail-là. Et je trouvais peut-être intéressant d'apporter un peu ma culture personnelle à Tel Aviv. In this work of art, three human silhouettes, two women and one man, are delicately interwoven with one another. Every part of the piece is meticulously detailed, using a multitude of non-conventional materials, rendering the work of art completely unique and extremely complex. Alors ça, c'est une œuvre où j'ai toujours une œuvre au moins. Pas plus, parce que je ne veux pas faire un commerce de mes racines. Ouais. Mais c'est un peu ma mezouza dans mon exposition. Donc là, vous avez au milieu une représentation du kotel. Et autour, ce sont des pages d'études. Ici, vous avez les bougies de Shabbat. Et là, vous avez le mariage. Et ici, un petit peu d'exode. Là, c'est une menorah en éthiopien. Donc, il y a vraiment toute une recherche pour représenter notre identité, oui. Today, Else lives in Israel, where she moved almost a year ago. Following her artist's journey throughout the world, she hopes that her expression will find a receptive audience among the Israeli public.